Et il est là l'investissement. Et ça, c'est un message à tous les parents. On veut des enfants qui excellent à l'école, ingénieurs, médecins, peu importe, qui aient un bon comportement, qui soient respectueux vis-à-vis des gens de manière générale, peu importe leur confession, leur croyance, leur idéologie, des enfants respectueux. Mais par contre, n'oubliez pas que le meilleur investissement, c'est l'enfant pieux et vertueux. Parce que ton enfant a beau gagner des millions quand tu seras dans ta tombe. Vous croyez que c'est ces millions qui vont vous être bénéfiques ou c'est un enfant qui va faire الدعاء إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وقال عليه الصلاة والسلام وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. Quand tu meurs, tout est interrompu sauf trois choses. Il a mentionné parmi ces trois choses un enfant pieux. Il n'a pas dit riche. Il n'a pas dit je ne sais. Un enfant pieux qui fait dua pour toi. C'est là l'investissement. Il est là l'investissement. Voilà pourquoi les parents doivent s'efforcer à avoir des enfants vertueux qui s'accrochent à leur religion, à leurs principes religieux aussi, et qui excellent dans le comportement avec les gens de manière générale, mais des enfants pieux, vertueux, qui puissent investir en eux afin qu'ils invoquent en sa faveur bi'idhnillah azza wa jalla, du'a. Et on en a parlé déjà de du'a, donc n'oubliez jamais ça. L'investissement réel, il est dans le fait d'avoir des enfants pieux et vertueux. Et